Très discrète dans les médias en dépit de son immense popularité, Véronique Sanson était l'invitée de Nikos Aliagas dans 50 Minutes Inside. Elle est rare dans les médias, et pourtant, Véronique Sanson est l'une des artistes françaises les plus incontournables de la variété française. Présente dans nos radios et autres tourne-disques depuis la fin des années 1960, elle enchaîne depuis les succès dans les bacs, fêtant en 2019 ses 70 ans, et a démarré une grande tournée, baptisée Hasta Luego, depuis le 21 octobre dernier. Une vie passionnée aux nombreux succès pour Véronique Sanson de la vie privée de cette chanteuse hors norme, à qui l'on doit chanson sur Ma drôle de vie, on ne sait finalement pas grand-chose. Elle a notamment vécu aux côtés de Michel Berger, avec qui elle va également entretenir une relation professionnelle, pour ensuite partir vivre une vie à l'américaine aux côtés du guitariste Stephen Stills, avec lequel elle aura un enfant, Christopher, suivi de plusieurs relations, dont un mariage avec l'humoriste Pierre Palmade en 1995, bien avant que ce dernier ne fasse son coming out. Mais de sa famille, Véronique Sanson préfère rester très discrète. Toutefois, pour 50 Minutes Inside, elle a néanmoins accepté de réaliser un entretien en compagnie de sa sœur, Violette. Un V qui veut tout dire entre les deux sœurs Sanson. Les deux sœurs partagent un point commun, la première lettre de leur prénom respectif est un V. Et comme elle le confie à Nikos Aliagas, ce n'est pas une lettre choisie au hasard, nos deux parents étaient résistants, et à la fin de la guerre, ils ont choisi des prénoms qui commençaient par le V de la victoire. Un ADN que les deux sœurs conservent encore aujourd'hui, également redevable après une éducation parentale bien au-dessus des normes, on a eu une enfance absolument formidable, et puis on se marrait bien chez nous. Face à une photo d'elle enfant, Violette Sanson se lance un conseil vers le passé, changez rien les filles. Faites ce que vous voulez, ajoute même Véronique Sanson, qui ne cesse d'admirer sa sœur mignonne sur cette photo, habillée d'une robe blanche immaculée, sans tétard ou bout, précise-t-elle amusée. À lire aussi, je lui en ai voulu qu'elle s'en aille comme ça, la sœur de Véronique Sanson paniquée le soir où la chanteuse a quitté Michel Berger sans prévenir.